c'est moi. Qu'est-ce que tu fous là? L'entrée de service est derrière. Je viens voir Monsieur Marcano. Je m'appelle Lincoln Clay. Ça alors. Arrête tes conneries. Tiens-toi à carreau, petit. Ou ça va chier pour ton matricule, c'est compris? J'y vois que dalle, putain! Il va pas s'en tirer! Élise et Danny viennent de passer à travers avec la foreuse! Putain, Élise, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Cette saloperie de fourreuse a pas arrêté de surchauffer. Lincoln et toi, ça va? Ouais, ça roule. Ouais, Danny? Il met tout de côté pour qu'on ait la place de récupérer l'argent. Ok, dès qu'on aura réglé ça, le fric sera à nous. Grouille-toi! Ces enculés ont éteint la lumière. Occupe-toi de l'argent, je m'occupe de ça. Quel suspect en visuel? Je suis là. On va le prendre en tenaille. Putain, je me suis pas autant éclaté depuis des années. Ils vont nous débusquer, sois ce que tu fais! Regarde!
Il est juste là. C'est les gardes qui prétendaient être de bâton rouge. Tu peux pas me... J'ai commencé à croire. Putain de massacre. Je me casse. Bordel de merde! Les gardes vont nous découper dès qu'on va mettre le nez dehors! Dis à Danny qu'il doit nous sortir de là! Ces enfoirés nous ont coincés! Faut qu'on trouve un moyen de s'en sortir! C'est du TNT, je pourrais le poser de notre côté et tout faire péter! Et à quoi ça va nous servir, hein? Avec du bol, le trou sera assez grand pour qu'on puisse tous passer! Avec du bol? Tu te fous de ma gueule? Tu sais ce que tu fais au moins? C'est de la dynamite, c'est pas sorcier, putain! La mèche est allumée! Barrez-vous de là! Oh putain, enlève-moi ça, Alice. J'essaye. Danny a la jambe coincée. J'ai besoin d'aide. On va trouver un autre moyen de se tirer. Ce tunnel débouche bien quelque part. On est tous là. Allez, on décolle. Il est juste là. Les gardes rapiquent par le trou. Putain, en voilà d'autres. On ferait mieux de se casser d'ici. Ces fils de pute de flics nous barrent la sortie. Ils nous trouvent la peau. Occupez-vous d'eux. C'est les flics! Ils nous tirent dessus! Les flics! Allez chier, bande de connards! Les voilà! Amenez-vous! Mais les cons sont bien! Allez chier, bande de connards! Continue, fais gaffe à ce que tu fous! On n'emmerde pas, Georgie Marcano! Georgie, tu t'en charges! Allez vous faire foutre, bande d'enculés de mes deux! Allez, amenez-vous, bande de merde! La sortie! Grouille, Lincoln! Mais putain, t'es taré ou quoi? Merde, merde, merde! Vise-moi ces nichons. Hé hey, chérie, tu veux prendre un pot de bon temps? Reste discret, Danny. Non mais t'as vu ces nibards? Putain, sérieusement? Putain, ferme-la, tu vas nous faire arrêter. Arrêtez! Arrêtez, merde! Va te faire foutre! Mec, raccroche ce téléphone et mine-toi. Excusez-vous. Surveillez ce qui se passe. On est dans une merde, pas possible. On a besoin de ton aide. Vous êtes où? Pas loin du cortège. Danny est blessé. Les routes sont bloquées. Pas moyen de vous envoyer une voiture. Écoute. Derrière le cimetière. Vous pouvez y aller. Ouais. Il y aura une voiture qui vous attendra au quai de chargement. Hé, Lincoln. Fais attention à toi. Et ça vaut
T'inquiète. Samy envoie une voiture. Elle nous attendra au quai de chargement de l'épicerie. Heureusement qu'il est là. On y va. Hey, doucement. Putain, le bar. Fuite de merde, me dire quand la fête est finie. C'est moi qui dis quand la fête est terminée. Nous recevons encore des informations. Mais il semble que la réserve fédérale du centre-ville de Nyon-Bordeaux a été braquée. Notre source interne au service de police nous affirme que plusieurs gardes fédéraux ont péri et que les braqueurs ont pu prendre la fuite avec plusieurs millions de dollars. Putain, le bateau utilisé lors du braquage a été retrouvé sous le quartier français. Faut qu'on bouge. Les suspects sont un nègre d'environ 1m90 et un blanc d'environ 1m80, ainsi que deux complices non identifiés. Ils sont armés et extrêmement dangereux. Merde, ils ont trouvé le bateau. Reste tranquille, mec. Tout roule pour l'instant. Il respire encore. Appelez un médecin. Arrêtez de bouger de partout. Truc contre chez ce garçon. Mon ami, là, il tient pas l'alcool. Dans le coin. Essayons par ici. Il est là ! Ramenez-vous ! Il est là ! Qui veut ma mort ? Chopez-le ! Où est Georgie ? On a été séparés. Avant qu'on le perde de vue, il a dit qu'on se retrouverait à la maison. Monte ! Thank you.
arrive à s'en sortir. Je me coule dans un plumard de Nibar, peu importe ce que ça me coûtera. C'est fini ? Ouais, c'est fini. Je savais qu'on réussirait, je le savais ! On est riche, putain ! À toutes les unités, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Je répète, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Lincoln, par ici. Le padre a pas trop l'air d'apprécier le plan. T'en fais pas pour lui. Ça me ferait chier de me prendre dans la gueule cette connerie de culpabilité catholique. Il est au courant de toutes les saloperies que j'ai pu faire dans ma putain de vie. Et il a jamais bavé. Si je dis qu'on peut lui faire confiance, c'est qu'on peut lui faire confiance. Ça me va. Bon, ça te ferait chier de me dire ce qu'on fout vraiment. On va buter Marcano et tous les salopards qui bossent pour lui. C'est des conneries. Si c'est tout ce que tu voulais, tu choperais un XM21 et tu te tartinerais de peinture de camouflage et tous ces connards seraient refroidis avant le dîner. T'aurais carrément pas besoin d'un centre tactique et de toutes ces autres merdes que tu m'as demandé. À mon retour, Marcano m'a offert Del Rey sur un plateau. Le vieux Samy a fait son temps, qu'il m'a dit. J'ai refusé. Alors d'après toi, tout ce qui est arrivé, c'est de ta faute. Les faits sont là. Qu'est-ce que tu croyais que ça allait faire ? Organiser une petite fête pour Samy ? Lui offrir une montre en or ou encore un trophée pour service rendu ? On sait tous les deux que dans cette vie, il n'y a qu'une seule sortie. Et t'as toujours pas répondu à ma question. Je vais prendre le contrôle de la ville quartier par quartier. Marcano voulait que je mène la danse à Del Rey. Qu'il aille se faire foutre. Quand j'en aurai fini, c'est toute la ville qui sera à ma pogne. C'est exactement ce que je voulais entendre. Condition, évidemment, que tu te sentes de taille. Et pourquoi pas ? Oh, je sais pas. Peut-être parce que tu t'es fait tirer dans la gueule. J'ai peut-être perdu une case ou deux, mais ça finit toujours par revenir. Ça se passe toujours comme ça. Si c'est pas la putain de vérité, ça. Tu veux que je revienne te chercher ? Non, mec, c'est moi. Je retourne au motel. Passe me voir quand tu seras prêt. Bienvenue à la maison, fils. Et maintenant, qui veut se payer une bonne murge ? Arrête tes conneries. Sa caisse est un monstre. Je veux que ce soit toi qui gère Del Rey. J'aurais pas dû dire non. C'est quoi ce bordel ?